Coucou, j'espère que tu vas bien. Voici la petite guidance du jour. On y va. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Alors, je prends l'oracle des flammes jumelles parce que je trouve qu'il est très bien. Il est vraiment pour tout le monde quand il y a des petites choses à voir en soi et bien sûr dans la relation sentimentale aussi. Donc, ou dans les relations en général, hein, la relation affective, sentimentale, familiale, amicale, ça peut te parler. Je vais pas prendre que celui-là, mais on commence avec celui-ci, première carte. Allez, regarde comme elle est belle. Les illustrations sont assez fortes aussi. La reconnaissance du lien. Acceptation, magie, vie. Ouvre les yeux sur la beauté de ce lien. Donc, tu peux penser à une personne, hein, ou à un animal, ou à un enfant aussi. Tu peux le transposer. Ouvre le cœur sur cette énergie qui vous unit depuis des décennies. Tu ne peux combattre ni lutter contre. Tu serais alors à contre-courant. Tourne-toi, regarde avec les yeux grands ouverts ce qui se passe en toi quand tu acceptes ce lien magique. Vois-tu toutes ces couleurs, toutes ces belles énergies qui t'enlacent? Reconnais la particularité de votre lien, l'unique étape essentielle. Expérimenter, se lâcher, oui, expérimenter, se lâcher prise. Et cette confiance aveugle, comme si tu sautais dans le vide, mais quelle sensation! Ici, il est question vraiment de lâcher le contrôle, de sauter dans le vide et d'oser faire. D'oser être, voilà, mais en t'abandonnant complètement, quoi. La suivante, c'est celle-ci. Elle est belle aussi, c'est beau en ce moment. On te demande. Et puis ça, cette relation, ça peut être la relation à toi-même, avec toi-même aussi. Hein? Unir ton féminin intérieur et ton masculin intérieur. Il est là, présent, cadeau, sensation. Tu ressens tellement de joie, tellement de beau, de bon. Des émotions s'entremêlent, se mélangent, le temps s'arrête comme suspendu. Tout est beau en toi comme à l'extérieur. Tu es là dans le moment présent et cela est merveilleux. Ouvre-toi à tes sens, accueille ce merveilleux instant, c'est le plus beau. Là, on a des personnes qui ont dû se retrouver, se réunir ou débuter une nouvelle relation. Donc, on te demande pleinement d'être, de profiter du moment présent. Voilà. Et avec la carte qui est ici, aussi de personnes qui se connaissent depuis très longtemps ou juste depuis, je sais pas, 2, 3 ans et de profiter de ce moment ensemble. Et là, on termine avec exprime. Mot, être soi-même, sentiment, exprime, exprime, exprime. On ne dira jamais assez ce que l'on ressent. Pourquoi le repli sur soi est nécessaire? C'est à la fois oser être et oser faire. Oser regarder et oser œuvrer pour cette expression de toi-même. Alors, c'est déjà un dialogue avec soi, être soi-même. Et ce dialogue avec soi, il peut être aussi s'exprimer pleinement soi-même aussi. Exprimer ce que tu ressens aussi. Mais t'exprimer, on l'a vu à travers, hier, on l'a vu à travers l'artiste intérieur aussi. Pourquoi pas? Et puis, cette notion d'oser être, d'oser faire. Moi, j'aime bien dire oser déployer tes ailes. Et tu peux rejoindre la masterclass, elle a lieu dernier vendredi du mois. Si tu veux justement, je fais vivre un outil en ligne je te fais, et en direct, en live, pour oser déployer tes ailes, justement. Voilà. Alors, on continue. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, aujourd'hui, il nous parle de quoi? De quoi il va nous parler aujourd'hui? De victoire. On te donne le courage, l'énergie de réaliser, oui, le courage et l'énergie face aux difficultés, face aux épreuves ou même face à la réalisation d'un projet. On a le haut. Le haut, il est tout rond. Il y a cette notion aussi d'aller en profondeur dans les choses, hein, pas juste en mettre les formes, mais d'aller vraiment en profondeur. Ici, il y a cette notion de témérité aussi, de courage et d'être téméraire. On te donne la victoire avec le 10 de trèfle, il y a cette notion vraiment de victoire. Donc ici, on a Ulysse et Diomède qui ils volent en fait des chevaux et sortent du camp. C'est plus que du courage. C'est-à-dire qu'ils sont sur le camp adverse. Bon, on voit qu'il y en a qui ils sont tombés. Malheureusement, on est pendant la guerre de Troie là. Avec Mars aussi qui est très guerrier, la planète Mars. Mais du coup, Mars te donne la force, de la puissance aussi pour vaincre quelque chose qui est difficile,
Donc on te dit, t'inquiète pas, tu vas y arriver, c'est difficile, mais on va te donner l'énergie, le courage de surmonter des choses peut-être pas toujours faciles. Donc ici, on peut prévoir aussi une grosse rentrée d'argent, hein, prochainement avec le 10 de trèfle aussi. Attention, c'est une guidance générale, pas personnelle, hein. Je ne dis pas que c'est ton cas particulièrement personnellement, hein. J'insiste. C'est simplement l'interprétation du 10 de trèfle en carton mince, enfin, une des interprétations. Voilà. Donc c'est une période de récolte sur le plan financier si tu as semé aussi, par exemple, hein. Ça, c'est important. Donc là, il y a des choses qui peuvent être impulsées. Tu peux partir en vacances, tu peux créer un projet. Il y a quelque chose qui peut te permettre d'aller de l'avant, ou tu pourras prendre des risques, plus de risques. On te dit que la chance est avec toi. Voilà. Il y a des opportunités qui peuvent apparaître, donc regarde-les bien. Il y a de l'aide. Et tu vois, c'est le 10. Là, le 10 ici, 1 plus 0 égale 1. Il y a cette notion de quelque chose qui peut être mis en place pour revenir, pour soi, pour revenir à soi. On parle d'unité avec le 1, de complétude. Donc, un nouveau départ aussi. La fin de quelque chose, là, ça y est, c'est bon, c'est fait. Là, on est dans quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ là. Mais un nouveau départ avec l'expérience aussi d'avoir eu la victoire sur les difficultés. Et cette expérience-là, eh bien, elle t'insuffle confiance en toi. Et c'est un nouveau départ avec cette confiance en plus, cette expérience en plus. Il y a quelque chose là qui vient. Alors, on en a aussi qui peut-être aboutissent vers des biens matériels. Peut-être que toute ta vie, ça a été un peu galère. Et là, il y a un aboutissement de quelque chose aussi, hein, au niveau professionnel ou matériel. Voilà, donc on te dit que c'est marrant parce que ça rejoint beaucoup les énergies de la semaine quand même. Il y a cette notion déjà d'oser, hein, d'oser y aller, de t'oser dans des projets qui te tiennent à cœur et même les plus ambitieux, les plus audacieux. On te dit d'avoir de l'audace aussi ici avec cette carte. Et là, j'ai des personnes qui ont peut-être aussi une énergie guerrière en elle, mais des personnes, comment on appelle ça, des battants, des battantes, des personnes qui, voilà, qui, des battantes, des gagnantes, des battants, des battantes, des gagnantes, voilà. On a des leaders aussi ici, des leaders qui peuvent inspirer autour d'eux, des leaders inspirants, c'est-à-dire qui managent avec amour. Et qui sont l'exemple, qui sont d'abord l'exemple justement, qui montrent d'abord l'exemple. Et justement, peut-être que ta vie, et tu ne le vois pas, est une véritable inspiration pour d'autres, dans la manière, le comportement, l'attitude que tu as face aux difficultés, face à l'adversité, parce qu'ici, il est question d'adversité quand même, hein. Eh bien, on te dit que tu forces l'admiration. Donc, tu peux te lancer des défis et parce que tu sais les relever, ces challenges. Et il y a là cette notion de créer peut-être quelque chose d'original aussi. Là, on a une véritable énergie, on a l'énergie vitale qu'elle a là. Hein. Au niveau de la santé, là, ça pulse. Hein. Là, c'est une période c'est maintenant, là maintenant. Si tu as envie de te lancer dans quelque chose, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, l'opportunité. Ah, c'est ma voisine qu'on entend. Je me demandais ce que c'était. J'ai une voisine d'origine colombienne qui est une chanteuse aussi, lyrique. Et parfois, on peut l'entendre admirablement chanter. C'est très agréable. Hein. Et là, et parfois, il s'exprime comme ça avec joie. C'est vraiment très agréable d'être sa voisine. Voilà. Je ne sais pas si tu as entendu, mais c'est ce qui m'a arrêtée. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ouais, je vais revenir sur le...
Sur le va revenir, non, j'y suis allée sur le haut, oui, sur le haut. Il y a cette notion de rondeur, ça peut être quelque chose de très sensuel et on peut te dire d'utiliser ton charme aussi ici et tous tes atouts en fait hein, pour séduire. Il y a cette notion, je dirais, d'être séduisante et non séductrice ou séduisant et non séducteur. Séductrice, séducteur, on est dans quelque chose de peut-être qui est peut-être avec plus de domination, tandis que dans la séduisante ou le séduisant, on a quelque chose qui est plutôt dans un équilibre, dans justement cette rondeur, dans cette douceur. Il y a une notion de légèreté, d'insouciance, de gaieté ici avec le haut. En tout cas, bon, il y a cette notion de joie de vivre, encore une fois, d'énergie vitale, de bonheur, quelque chose qui fait du bien, qui est généreux. Qui est chaleureux, on te dit de préserver ça en fait avec les tiens, hein? Voilà. Et avec toi-même, parce que tu peux avoir une ouverture sur les autres, une grande disponibilité envers les autres avec cette générosité, mais on te dit que tu sais aussi préserver ton intimité et tes mystères. Voilà. On a des gens sentimentaux ici, malgré Mars, voilà, mais avec le haut, on a des gens. Mars qui est très guerrier et ça n'empêche pas d'être sentimental d'ailleurs. On te dit de le rester. J'ai des personnes qui peuvent être hypersensibles aussi ici et ce haut il te dit que ton hypersensibilité, donc le haut ici, est vraiment une force. On a des personnes hypersensibles, d'une grande gentillesse aussi. On te dit d'en faire une force, c'est pas. Ça, voilà, ça n'est pas en équilibre, c'est une force. Hein, ça n'est pas un défaut, au contraire. Et derrière cette gentillesse, on voit bien qu'on a quelqu'un qui est fort, hein, qui est solide, qui est costaud là, qui est courageux, qui est structuré aussi, hein, sur qui on peut compter là. Vraiment. Allez, je termine avec le tarot essentiel. J'ai mon petit Charlie qui est avec moi. Ce moment, il est sur son tapis d'éveil, mais parfois tu l'entends. Et voilà, une belle réalisation. On est cette semaine dans des énergies de réalisation très solaires, je trouve, et ça fait du bien parce qu'à chaque guidance, peu importe le jeu que j'ai, il est vraiment question de ça, là. C'est-à-dire que on te dit de croire, de croire, voilà, avec un grand C, d'avoir la foi avec un grand F, une foi forte et forgée. Ici, il est question de réussite dans tous les domaines, de joie, de clarté, voilà, tu as vu, c'est très lumineux, de rayonnement, hein, d'honneur. Ce sont vraiment les honneurs. On parle d'équilibre et je t'en parlais tout à l'heure, cette notion d'équilibre. Il y a la fin de quelque chose avec un dénouement heureux. Voilà, c'est la fin d'un problème, c'est la réussite à quelque chose. Et on te parle encore de force vitale. Hein, d'amour aussi, d'amitié, de solidarité. Toute cette semaine, j'en parle de ça, ça revient constamment dans les guidances. Voilà, s'il y avait un problème, il trouve sa solution. Ben voilà, ben ça fait du bien, j'ai terminé avec ça. C'est aussi tout l'amour qu'il y a autour de toi, toutes les bonnes ondes généreuses d'autres personnes vers toi aussi, et toi vers elles. Ben écoute, on ne peut pas mieux faire, hein. Merci pour ton écoute, on se retrouve demain.